Alors la vie, toujours dans les mathématiques. Il faudrait mieux t'exercer. Ça c'est mieux. Si tu continues comme ça, tu n'en fais qu'une bouchée de ton hussard demain matin. Et attention l'ami, tu te trompes de cible. C'est pas avec lui que tu te bats. Ça vous intéresse? Beaucoup. Ce sont des substitutions. Vous voyez bien. Ça vous sert à quoi? À résoudre des équations. De quel degré? Au-dessus du quatrième, personne n'y est arrivé. Abel lui-même... Abel était un génie. Ce sont des gens comme vous qui l'ont laissé crever à 25 ans de pneumonie et de faim. Cauchy n'a même pas pris la peine de lire son mémoire. Il trouvait que c'était écrit avec une encre trop pâle. Vous êtes à Polytechnique? Moi, j'ai été recalé. Deux fois. Je sais. Vous avez envoyé votre torchon à craie à la tête de l'examinateur. Vous travaillez sur les équations? La question est réglée. J'ai dit, la question est réglée. J'ai trouvé la condition nécessaire et suffisante pour qu'une équation dans le cas général soit résoluble par radicaux. Ce serait un beau résultat. Au-dessus du quatrième degré, cette résolution dans le cas général est impossible. Ainsi que l'avait pressenti Abel. Je fonde ma démonstration sur le fait que dans le groupe de permutation de lettres, qui tout à l'heure a attiré votre attention, il n'existe pas, pour n plus grand que 4, de sous-groupe intermédiaire normal autre que le groupe des permutations paires. Je ne vois pas très bien le rapport avec les équations. C'est pourtant évident. Réfléchissez. À la place des lettres, mettez les n racines d'une équation du nème degré. Vous comprendrez peut-être mieux. Vous obtenez la collection complète de toutes les permutations que l'on peut... Avec votre méthode? Je pense bien. Les calculs sont impraticables. Une vie entière n'y suffirait pas. Alors ça sert à quoi? À boucler une fois pour toute la question. Et à expliquer du même coup une quantité de problèmes qui apparemment n'ont rien à faire avec les équations. C'est ce qui me gêne dans votre méthode précisément. Pourquoi? Vous ne calculez pas, vous faites des spéculations. J'essaie de réfléchir. En vous servant de matières imprécises, qui en plus n'ont rien à voir avec votre sujet. Parce que c'est la même chose! Parce que j'aurais pu vous parler aussi bien de rotation dans l'espace, de suite de nombres ou de symétrie des cristaux. Ce ne sont pas les données immédiates que représentent les fonctions ou les équations qui comptent. C'est ce qu'il y a par derrière. C'est leur structure commune. On n'est pas au jardin des plantes. On ne va pas considérer pendant des siècles les problèmes marqués dans des petites cases bien séparées pour l'éternité. Un peu de force d'esprit. Un peu d'imagination. Laissons l'imagination aux poètes, voulez-vous? Il s'agit d'algèbre, pas d'idées générales. Les mathématiques aussi ont leurs idées générales. La logique du raisonnement... En algèbre, le raisonnement, c'est le calcul. Où sont les vôtres? Allez, je vous écoute. Prouvez-moi ce que vous vous êtes contenté d'avancer gratuitement. Je sais suivre une démonstration. C'est mon métier, figurez-vous. Allez-vous-en. Vous êtes incapable de comprendre. Vous êtes aussi bête que les autres. C'est qu'il n'y a rien à comprendre, Galois. Vous rêvez. Ce que vous essayez de montrer est dénué de sens. C'est du vent! Vous avez déjà un duel sur les bras, Galois.
En hommage à votre courage politique, j'étais venu vous assister cette nuit. Écoutez donc seulement ceci. Je ne suis peut-être pas un génie, mais je suis certainement assez bon mathématicien pour vous assurer qu'il n'y a pas aujourd'hui en Europe une seule personne pour vous suivre dans vos raisonnements. Que vous soyez un prophète ou un fou, le résultat est le même, puisque vous ne trouverez personne pour transmettre votre pensée. Ce qui compte, Galois, dans l'histoire de la science, c'est l'aspect positif de son progrès. Les incompris, les méconnus n'y ont pas de place. Vous n'aurez servi à rien, Galois. Vous avez perdu votre temps. Laissez-moi maintenant. Je me battrai tôt demain matin. Je n'ai plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais, Évariste? Tu vas pas te mettre à travailler? Je croyais t'avoir dit de t'en aller. C'est du suicide. Repousse-toi, je t'en supplie. La seule chance que tu as de t'en tirer demain matin, c'est de t'entraîner toute la nuit sans relâche, puis te dépêcher d'aller dormir un peu. Ne t'occupe pas de moi, s'il te plaît! Galois, ne va pas à ce duel demain. Ça va être une boucherie. Pourquoi? Parce que tu penses que je ne sais pas tenir un pistolet? N'aie pas peur. Les géomètres ont la tête militaire. Ils réussissent très bien dans l'artillerie. Et la personne pour les beaux yeux de qui je me bats inspirera ma main. De toute façon, ce n'est pas la première fois que je me bats. J'ai fait mon devoir révolutionnaire. Et j'ai même fait de la prison. Justement, ils n'ont pas oublié, tu sais. Un duel, ça s'arrange. Quelle bonne occasion pour se débarrasser d'un ennemi gênant. Je n'étais pas si dangereux. C'est si loin, tout ça. Il est tard. Il est trop tard pour que je change quoi que ce soit à mes projets. Je me bats à l'aube demain matin. Évariste. Tu as compris ce que j'ai essayé d'expliquer à l'autre imbécile tout à l'heure? Tu sais bien que je suis pas assez intelligent. Alors tu ne peux rien pour moi, laisse-moi! J'ai encore beaucoup de travail avant demain. Et je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, dans le silence de la nuit, une fois de plus, Galois se remet au travail.
Combien en a-t-il passé de nuits ainsi dans toutes ces chambres qu'il a tour à tour occupées? La table, les quatre murs, le seul monde qu'il ait jamais connu. L'étude à Louis le Grand, le dortoir de l'école normale. À Sainte-Pélagie, une cellule puante. Directement des bancs du lycée aux barricades, des barricades à la prison. Il y a seulement 6 ans que Galois s'est mis aux mathématiques. Il a commencé à 15 ans. Il en a aujourd'hui 22. Dans quelques heures, il sera mort. Maintenant, ça ne fait plus un plus. Ne t'impatiente pas, Galois. Tu as tout ton temps. Mon ami le polytechnicien avait raison tout à l'heure. Il n'y a pas aujourd'hui en Europe une personne capable de comprendre ce que tu écris. Dans 50 ans peut-être. Dans 100 ans. Il faut pardonner à Poisson, à Cauchy, à l'Académie des sciences, s'ils ont refusé ton mémoire. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est tout. Tu n'es pas le premier, Galois. Souviens-toi d'Abel. Dans 50 ans, peut-être, tu en as du temps devant toi. As-tu connu de la vie, Évariste? Rien. Si peu que rien. Rien que l'orgueil de la certitude d'avoir inventé. Cette fièvre de l'intelligence conquérante qui se fascine elle-même de savoir qu'elle a donné à l'esprit un domaine nouveau. Je suis à vous, monsieur.
Messieurs, un duel à volonté va avoir lieu entre Monsieur Duchâtelet et Monsieur Évariste Galois. La distance entre les repères est de 30 pas. Entre les mouchoirs, elle est de 20 pas. Au signal, allez messieurs, chaque combattant a le droit d'aller de sa place au mouchoir et tirer. Mais il peut aussi tirer sans bouger. Après le premier coup de feu, l'autre partie a une minute pour tirer à son tour. Comme il a été convenu, les armes vont être tirées au sort par vos témoins. Messieurs, est-ce que nous sommes bien d'accord? Monsieur Duchâtelet. Oui, je suis d'accord. Et vous, Monsieur Galois? Je vous demande si vous êtes bien d'accord avec ce que je viens de dire, Monsieur Galois. Monsieur Galois. Oui, je suis d'accord. Messieurs les témoins, vous pouvez choisir les armes. Avancez-vous vers moi. Allez-y, messieurs. Monsieur Galois, vous avez une minute pour vous relever et tirer. Messieurs la police, fuyons. Vous aussi, monsieur. Fuyez.
ramassé par un paysan et transporté à l'hôpital Cochin, Gallois mourut le 31 mai 1832, c'est-à-dire le lendemain matin. Il fallut attendre 14 ans pour que paraissent pour la première fois dans le journal de Liouville les écrits de Gallois. 40 ans pour qu'en 1870, Camille Jordan lui dédie son traité des substitutions. Mais aujourd'hui, n'importe quel élève de mathématiques spéciales sait quel nom attribuer à la catégorie de corps ayant un nombre fini d'éléments. Ces corps sont appelés champs de Galois.